Thank you.
J'étais en train de chercher quelque chose, je suis à vous dans un instant, une minute et demie. En attendant, faites-moi des coucous. Salut Toulouse. Est-ce que la Belgique... Nathalie, est-ce que t'es avec nous? Angèle, est-ce que la Suisse est avec nous? Attendez, j'arrive. Hello. Alors, à part le Canada, est-ce qu'on a de l'Europe qui est avec nous? Ok, bon, j'ai terminé. Voilà, oui, je voulais montrer tout ça. Hello! Bon, ça y est, j'ai terminé ce que je voulais vous montrer tantôt. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vais mettre en place tout ce qu'il faut. Voilà, salut Viviane, hello Hélène, salut Carmen, salut Anne, salut Lynn, salut Claude. Et toute seule que je ne vois pas forcément le nom, salut Mathilde. Il ne faut pas oublier que quand vous interagissez via Facebook, je ne vois pas les prénoms, mais quand vous interagissez via YouTube, je le vois. Donc si vous voulez que je sache qui c'est via Facebook, faites-moi juste un petit coucou avec votre prénom. Alors, on a le sud de la France, bien sûr, avec Odette, on a l'Essonne, on a... Digidugidou, on a... Attendez, j'ai vu... On a la Belgique, Samantha, et oui. On a Béziers et Lyon de la France qui sont là. Et on a Diane de Stratford. Ben, écoutez, en tout cas, ça me fait super plaisir d'être avec vous ce matin. Je ne sais pas si vous voyez que j'ai comme un glow, je brille. Est-ce que vous voyez que j'illumine un petit peu? Je vais vous expliquer pourquoi. Mon châle, et oui, alors mon châle, je l'adore. Ça va super bien dans mon état d'esprit du moment. Ça s'appelle le Positive Thoughts. D'accord, je vais vous l'écrire s'il y en a qui veulent, voilà. Il est vraiment facile, je pense que je l'ai fait en vidéo gratuite sur YouTube. Positive Thoughts, ça date un petit peu, je pense que ça date d'il y a 2 ans ce cours-là, mais c'est un cours gratuit que j'avais donné. Je vais vous l'écrire, vous pouvez aller l'acheter, le patron sur Ravelry. Je pense que c'est Yellow Cosmos, la designer. Donc, il s'appelle Pensée Positive, donc Positive Thoughts. C'est un patron en anglais, mais assez facile étant donné que c'est majoritairement des chartes. Voilà, Positive Thoughts. Vous pouvez le faire en petit ou en grand. Moi, je l'ai fait plutôt en petit. Donc, voilà. Si tu as le temps, j'aimerais que tu nous renseignes sur le Easy Watch. Alors, Easy Watch, je ne sais pas du tout ce que c'est. Tu pourras me... Est-ce que tu peux juste me clarifier ce que tu entends par Easy Watch? Hâte de nous voir à Need City. Et oui, écoute, on est en train de préparer ça. Ça va être fou. Crinquer quand vous avez une équipe de personnes autour de vous qui ont plein d'idées, qui sont talentueuses. Je peux vous dire qu'on est en train de faire wow, quelque chose de... Bon, on est encore parti sur un truc de fou. Voilà. Bonjour de France en Alberta. Coucou. Alors... Voilà, donc c'est ça, le positif sage. Ah, et mon chandail, c'est le déchaîne. Et je me suis mise sur mon 31 pour vous ce matin. Oui, c'est mes habits du dimanche. Donc, le chandail, le chandail que je porte, c'est le déchaîne. Je ne sais plus de qui et je pense que le patron est en français. J'avoue que j'ai plus de souvenirs de celui-là parce que c'est pas moi qui l'ai tricoté, c'était une démo qu'on avait fait faire pour la Sabri 2, mais vraiment cool. Est-ce que je dois bloquer mon ouvrage à chaque fois que je le lave? Non. Sur cette handball de laine super wash ou easy wash? Alors, c'est pas watch, c'est wash. wash. Attends, ok. Regarde, super wash, donc ce qui veut dire que c'est lavable en machine, c'est un traitement qui est fait. Hein. Puis, j'avais jamais vu, mais apparemment, donc il y a un truc qui s'appelle easy wash, donc ça veut dire facile à laver. À la base, le traitement Super Wash, c'est un traitement qui est assez agressif. On prend la fibre, on la trempe dans un bain d'acide chlorhydrique, on élimine quelque part les écailles de la fibre et ensuite on
trempe ça dans un bain de polymère pour gainer la fibre, en espérant qu'ainsi cela ne va pas feutrer au lavage pour que quand il y aura le frottement et la chaleur, eh bien les écailles, il n'y en a plus, donc ça va plus venir se coller. Maintenant, il y a des nouveaux traitements, notamment pour toutes les laines qui se réclament du label Ecotech, bio, etc. Elles sont obligées, si elles veulent être superwash, de faire un traitement qui soit qui ne soit pas avec des produits chimiques tels que ceux du superwash. Et c'est un traitement en fait où il y a des pointes de résine entre chaque écaille. Alors je ne sais pas comment ils font ça, hein. J'imagine qu'ils font pas ça à la pipette vu la taille microscopique de l'écaille, tu sais. Mais c'est ça, c'est des pointes de résine qui viennent sceller entre les écailles. Donc peut-être que c'est ça qui s'appelle le Easy Wash, je ne sais pas. Gina t'a répondu, voilà, le Easy Wash, c'est un traitement naturel pour l'alpaga et le rend non feutrable pour le lavable en machine. Donc c'est cette histoire de petite goutte de... je vais y arriver, petite goutte de résine, voilà. Et Gina, c'est un enzyme qui est appliqué sur l'alpaga. Donc, je vous explique mon glow. J'ai fait quelque chose cette semaine que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Oui, je me rapproche. J'ai pris 2 jours de congé. Ouais, ça a l'air bête à dire comme ça. Mais je peux vous promettre que quand vous êtes femme entrepreneur, maman solo avec des enfants, eh bien, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de mettre un peu sous le tapis. Surtout en période de Covid. Et là, eh bien, je me suis gâtée. J'ai pris 2 jours de congé. J'ai été au spa. Non, j'ai fait la totale. Hein. J'ai été au spa. J'ai été m'acheter des cahiers, parce que j'adore écrire. Puis après, j'ai été à la bibliothèque. J'ai pris un tas de bouquins et je me suis dit que j'allais peut-être même pouvoir les lire. Je suis passée en librairie et je me suis acheté des revues. Enfin bref, j'ai vécu la grande vie. Voilà, et le vendredi, j'ai même pu aller faire mon yoga, aller méditer dans un petit centre bouddhiste, et j'ai rangé ma maison. J'ai bougé les meubles, j'ai genre complètement rangé la maison. Donc, j'ai un glow. J'ai genre, waouh, je comprends pourquoi les gens ont envie d'avoir 2 jours de repos. Je pense que ça peut devenir une très mauvaise habitude. Voilà, donc c'est ça mon glow. Cette énergie, écoutez, c'est assez fou parce que j'en pleure. Non, c'est, dès que je commence à rigoler trop, j'ai les yeux qui pleurent, c'est insupportable. Donc voilà, parce que je me rends compte, dès qu'il y a eu un petit beans au travail, puis vous inquiétez pas, sur une semaine, des petits beans au travail, il y en a toujours. Ben, au lieu que je sois genre, ouf, ça fait, ok, et hop, on prend ça. Donc voilà, je vous partage ça, et puis je vous partage aussi, dans le truc, je vais dans les papeteries, dans les librairies, et voilà, j'achète un petit peu toujours des revues un peu DIY, surtout les nouvelles, pour voir un petit peu si c'est intéressant ou pas. Et oui, j'ai fait tout ça en 2 jours. Oui, j'en parlais avec Maryse qui dit, attends, t'as fait tout ça en 2 jours, quand je lui disais, je vous ai parlé du quart de ce que j'ai fait. Je fais, ouais, j'avais beaucoup à rattraper. Ok, donc je me suis acheté cette revue-là, et puis, franchement, elle est pas mal. Ça s'appelle Le Nouvel Atelier des Nanas. Bon, c'est français, c'est pour ça qu'on dit des nanas. Et je l'ai trouvé pas mal, donc voilà, je n'ai encore une fois absolument rien, je n'y gagne rien si vous l'achetez, c'est vraiment juste pour vous partager des petits trucs, notamment il y a une recette pour faire des mochi mochi. Alors faut savoir que dans ma maison, les mochi mochi, c'est pas moi qui les fais, c'est ma fille, là vous voyez, c'est mochi mochi au thé matcha qu'elle a fait pour sa copine qu'elle va aller voir cet après-midi, je n'ai pas le droit d'y toucher. Et puis elle les a bien comptés, donc je n'ai pas le droit, mais c'est super facile à faire, elle les fait en 5 minutes. Donc il y a la petite recette des mochi pour pouvoir jouer à faire du thé façon japonais. Mais il y a un petit peu de tout, vous voyez, par exemple, il y a de la broderie, comment broder une manche de pull. J'ai trouvé ça super beau, ça je vais le garder, parce que voilà, ça m'inspire vraiment.
Ça, j'ai beaucoup aimé aussi regarder comment faire des petites fleurs avec simplement de la laine et puis des chutes de tissu. Voilà. Enfin bref, écoutez, je l'ai vraiment trouvé bien. Il y avait même comment laver son linge, venir à bout des tâches naturellement. Alors ça a l'air bête, mais alors moi, je perds tellement de vêtements comme ça. Enfin bref, voilà, je vous en parle. Je l'ai trouvé vraiment très sympa avec des petites interviews d'artisanes. Voilà. Si vous avez envie de vous gâter, regardez ça, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai prévenu ma mère, je ne crochète pas, ce n'est pas dans ma religion. Mais voilà, il y avait de quoi faire des petits toasts à l'avocat au crochet. Enfin bref, la petite dinette pour enfants avec juste des couvercles, des petits couvercles de j'imagine, de peau à... whatever, juste des petits couvercles. Donc, j'ai trouvé, voilà, qu'il y avait la recette des fortune cookies. Bon, j'ai trouvé ça, plein de petites idées. C'est mignon. Voilà. Samantha qui dit, c'est pas un congé, ça, c'est un marathon. Oui. Ça, tu sais, si t'es un petit peu comme moi, hyperactive, les congés risquent de ressembler un peu à ça. Bon, donc, c'est ça. Je voulais vous partager ça avant qu'on commence. Bah oui, à force de vous voir depuis presque 2 ans, tous les dimanches, j'ai l'impression un peu de m'asseoir avec ma gang de copines. Donc, je vous partage mes petites histoires. Allez, on est parti pour les poches. Alors... J'étais en train de regarder le patron hier et je me suis rendu compte, bah moi je les avais fait, comme ça faisait un petit bout de temps, mais je me rendais compte qu'il y a une partie des explications qui sont en anglais et qu'elle a oublié de mettre en français. Il y a eu des petits, ce qu'on appelle lost in translation, hein, entre la version anglaise et française de ce patron-là. Bon, c'est comme ça. Donc c'est les petites poches qu'on avait mis les mailles en attente. Alors il faut savoir qu'en effet, il y a une partie du patron qui a disparu dans la version française. Donc je vais vous la donner, vous inquiétez pas, c'était pas la partie la plus importante. Avant de commencer à faire la bordure des poches, vous allez récupérer les mailles qui étaient en attente. Et oui, vous vous rappelez, vous avez mis ici des mailles sur un bout de fil. Bien, vous allez simplement les récupérer et vous allez tricoter 8 cm tout droit en jersey. D'accord ? Vous tricotez 8 cm en jersey sur les 25 mailles que vous aviez en attente, puis vous rabattez souplement. Voilà, ça vous fait une petite languette, vous le mettez à l'intérieur, c'est fini, d'accord? Ok. Est-ce que cette partie-là, c'est bon? Donc, si vous voulez prendre des notes, simplement, les 25 mailles qu'on avait mis en attente, à droite et à gauche, vous les remettez sur votre aiguille, hein, puis vous allez, vous prenez l'aiguille normale, hein, vous étiez sur 3,75, si c'est dans le patron... Pour vous, la plus grande aiguille. Et puis, vous allez tricoter 8 cm de jersey et vous rabattez. Il n'y a pas de façonnage ou quoi que ce soit. C'est vraiment simplement un petit rectangle que l'on fait. Voilà. Si vous voulez le faire en couleur contrastante, vous pouvez le faire, hein, d'ailleurs. Ça peut être très amusant. Donc, pour ça, est-ce que tout le monde est correct? Ça, c'était pas le plus compliqué, entre guillemets. C'est vraiment une des choses le plus simple. Ensuite, donc s'il y a un problème à ce niveau-là, juste me faire un petit coucou dans les commentaires et j'irai voir ça. Ensuite, par contre, ce qui va nous intéresser, c'est le bord côté des poches. Alors, ça veut dire quoi, le bord côté des poches? Attends, viens là, toi, voilà. Le bord côté des poches, c'est... Ah, on va même pouvoir le mettre comme ça, ça va être plus simple. Voilà. Voilà, c'est cette partie-là, vous voyez? Alors, moi, quand j'ai relevé les mailles telles qu'elles me demandaient, ça a fait un espèce de petit motif comme ça, twisté. Et ça, c'est à cause du fait qu'on va faire notre rang de mailles envers en changeant la position du fil. Vous vous rappelez que quand on fait la petite chaînette, hein, la petite chaînette qui est ici aussi, on va faire un rang de mailles envers, mais avec le fil qui va passer par-dessous. Donc, ça twiste les mailles. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal que vous vous retrouviez avec un rang un peu comme ça.
Voilà, ça fait ça. Donc, on va reprendre les mics. Je vais vous expliquer les mics qu'on avait montés, en fait. Donc, on va venir reprendre ces mics-là. On va venir faire le petit motif de chaînette. Puis après, on va venir tricoter, je ne sais plus combien c'est de centimètres. On va venir tricoter 3,5 cm oupla, en côte 1-1. Et on va rabattre souplement dans la côte 1. Donc ça, c'est pour faire vraiment le petit rebord. Vous voyez? Pour faire le petit rebord. Donc, on est ici. Donc, je me suis fait une petite fausse poche. La voilà. Et je vais vous montrer ça. Donc, normalement, elle nous dit, vous allez prendre l'aiguille la plus petite pour pouvoir travailler cette bordure de poche. Donc, si vous êtes dans les mêmes aiguilles que la designer, ça veut dire qu'on va travailler en 3,25. On va travailler en aller-retour. Normalement, vous avez monté 25 mailles pour pouvoir continuer votre tricot. On va venir en remonter 27. Une à droite et une à gauche supplémentaire. D'accord? Donc, on est là. Ok. On va venir remonter sur le bord ici. Salut Angers! Puis, on va venir relever. Donc, vous voyez, je ne m'embête pas. Je viens juste relever un petit point dans le bord ici. Et puis, je vais venir remonter en les tricotant les 25 mailles. Alors, les mailles que j'ai montées, vous voyez, ça forme comme d'habitude pour une maille. Il y a deux pattes. Je vais juste prendre la patte qui va être la plus à gauche, celle qui est le plus près de mon endroit de travail. D'accord? Je ne vais pas prendre les deux pattes. Je vais faire en sorte d'avoir quelque chose d'un petit peu plus léger. Donc, c'est parti. Vous relevez le long de ces mailles. 25 mailles. Donc, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas besoin de prendre une autre aiguille pour ça. J'utilise simplement ma main. Et puis, l'aiguille de droite. Et je vais venir vraiment remonter simplement dans le brin de la maille que j'avais montée à gauche, d'accord? Je vais vous montrer pour la couture des poches. Attends, en attendant, on va juste terminer cette partie-là. Tu vas voir, c'est pas fini pour les poches, Angèle. Oui, on va les coudre, les poches. Mais d'abord, avant de les coudre, on va d'abord faire cette petite partie-là. Et on va faire après la couture des poches. Je me suis bien amusée. Hier soir, j'ai été voir le petit tutoriel de Kokonitsk que le patron nous indiquait. Vraiment intelligent. Vraiment super intelligent. J'ai encore appris des choses. 28 ans plus tard après, dans le tricot, et j'apprends encore des choses. J'espère que ça s'arrêtera jamais. Donc, je suis là. J'ai fini de remonter les mailles. Et je vais venir prendre une maille sur le côté. Ici, je vais venir prendre une maille sur le côté et je vais venir la tricoter torse. Je vais venir la prendre dans le petit brin de derrière, histoire de pouvoir bien resserrer. Donc, normalement, quand vous avez remonté, je suis avec la plus petite aiguille et j'ai remonté pour un total de 27 mailles, c'est-à-dire les 25 que j'avais montées à la base, plus une à droite et une à gauche sur les extrémités. Après ça, on part sur le motif de la bande. Donc, on l'a déjà vu plusieurs fois. Je vais juste y revenir rapidement. Donc, sur l'envers du travail, on va tricoter toutes les mailles envers, sauf qu'on va passer le fil sous l'aiguille, d'accord? Donc, on est ici, sous l'envers du travail. On va tricoter tout le rang de mailles envers. Sauf que, au lieu de passer le fil par-dessus, comme d'habitude, on va passer le fil par-dessous. Donc, on va venir, voilà, de manière contre-intuitive, on vient passer le fil par-dessous. Voilà, ok, donc, on inverse
la position du fil pour tricoter les mailles envers. C'est ça qui va mettre en place les mailles pour notre petite bande. Donc on se rappelle, on l'a déjà fait, cette petite bande en bas du pull, mais on se fait un petit rappel quand même. Donc on commence, le premier rang envers, c'est avec les mailles envers, mais le fil par-dessous. Voilà. Ensuite, on est maintenant sur notre rang en droit. On va tricoter à l'endroit la seconde maille de l'aiguille gauche par son brin de derrière. Donc on commence. On vient prendre la deuxième maille dans le brin de derrière. Hop. Vous savez, ça c'est le moment qui n'est pas le plus agréable, mais c'est des poches, il n'y a pas beaucoup de mailles, ça va aller vite. Et ensuite, on vient prendre la première maille dans son brin de derrière. Et on va les laisser tomber. Et on recommence. On tricote à l'endroit la seconde maille de l'aiguille de gauche dans le brin de derrière. Après ça, on vient prendre la première maille dans son brin de derrière. Et on laisse tomber. Et on continue comme ça jusqu'au bout. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je fais pas. Attendez, tricoter à l'endroit, la seconde maille, la deuxième maille. Attendez, il y a quelque chose que je faisais pas bien. Celle-là, j'aurais dû le réviser. Excusez-moi, on va juste repartir sur cette partie-là. Hop, hop, hop. Je voyais que le motif se faisait pas, il y a un problème. Hop, on recommence. On recommence. Voilà. Alors, tricoter à l'endroit la seconde maille de l'aiguille de gauche par son brin de derrière. Ça, c'était bon. Ensuite, tricoter à l'endroit la première maille par son brin de derrière. Ça, c'est correct. Et faire tomber les deux mailles ensemble. D'accord. Glisser la première maille de l'aiguille droite sur l'aiguille de gauche. Ah, c'est celle-là que j'avais oubliée. Ok, il y avait quelque chose qui restait. Et maintenant, c'était ça. Il ne fallait pas oublier. On reglisse la première maille et c'est parti. Ok, et on y va. Tricoter la seconde maille dans le brin de derrière. Il y avait une étape qui était oubliée. Et ensuite, la première. Et on laisse tomber. Mais quand on a fait ça, on recommence. La première maille de l'aiguille de droite retourne sur l'aiguille de gauche et on le refait. Donc on prend dans le brin de derrière, ça y est, tout me revient. Dans le brin de derrière, la première, la deuxième, la première, on les laisse tomber. Et après ça, la première de l'aiguille de droite retourne sur l'aiguille de gauche et c'est reparti. Oui, 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 madame. Ça prenait du temps, cette histoire. Et à chaque fois, on remet. Ok, donc ça, vous le faites jusqu'au bout. Je vais pas le faire jusqu'au bout parce que sinon, je vous avoue que ça va être tannant. Puis on l'a déjà fait. J'espère que ça vous a aidé. Donc vous allez jusqu'au bout pour faire ça. Puis une fois que vous avez terminé ça, eh bien, vous allez partir en côte 1-1. Donc il y a juste à suivre. Hop, il y a juste à suivre ici. Après qu'on a terminé notre chaîne, commencez le bord côte sur l'envers du travail. On commence, on fait deux envers, une endroit, une envers, jusqu'à une maille du bord et on finit par une maille envers. Et après, ben, ça met en place la côte. Vous allez tricoter les mailles telles qu'elles se présentent et vous allez faire ça sur 3,5 cm. Et après ça, vous rabattez les mailles. Et bien sûr, je vais rabattre les mailles dans le sens où elles se présentent, donc si c'est une maille en droit, à l'endroit, et si c'est une maille envers, à l'envers.
Pourrais-tu répéter CVP la portion qui n'était pas inscrite en français? Oui, simplement, Hélène, reprends les 25 mailles qui étaient en attente et tu fais 8 cm en jersey et tu rabats, c'est tout. Oui, avec la plus grosse aiguille. Ok. Est-ce qu'il faut changer l'aiguille pour faire le rang en vert? Écoute, Samantha, je pense qu'elle s'est un peu mêlée les pinceaux. Simplement pour faire... elle te fait remonter avec la plus petite aiguille. Donc, tu ne vas pas remonter les mailles avec la plus petite aiguille. Faire le rang en vert avec la plus grosse et ensuite enchaîner avec la plus petite. T'embête pas, fais tout avec les 3.25. Je pense qu'elle a un petit peu fait un copier-coller. Là-dessus, elle a été un petit peu feignante, j'ai l'impression. Donc fais tout, Samantha, t'inquiète pas. Tu fais tout en 3.25. Si elle te fait remonter les mailles avec les plus petites et qu'elle te dit rien sur le rang en vert, tu ne t'embêtes pas, ça va faire la même chose. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Bon, je vais laisser tomber ce tir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Ou est-ce qu'on va passer sur la partie couture des poches? Donc, on a déjà vu la chaîne, je suis désolée, j'avais oublié cette histoire de remettre la petite maille sur l'aiguille de gauche. Mais est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal si sous la petite bande, vous vous retrouvez en effet avec des mailles juste en dessous qui sont torses. C'est normal puisqu'on a tricoté un rang de mailles en vert en les torsant, d'accord? D'ailleurs, vous pouvez même le voir là sur mon petit échantillon. Vous voyez, on le voit là, ça... Toutes mes mailles en dessous partent torse. C'est normal puisqu'on tricote le maille en vert torse. Quelle longueur d'aiguille on prend pour les poches? Oh, écoute, tu prends des aiguilles petites. C'est tellement... Regarde, tu travailles sur 25, tu travailles sur 10 cm. Donc, si tu as des aiguilles double pointe, tu vas pouvoir faire la job. Pourrais-tu dire avec quelle laine est fait ton châle? Alors, je l'avais fait avec l'Albertine. Donc, c'est simple. Tu prends simplement un beau petit fingering qui te plaît et ça va être parfait. Un beau petit fingering. Ça, c'était l'Albertine, j'en ai plus. Mais un beau petit mérinos. Mérinos, c'est soie. Vraiment, ça va très bien faire la job. Donc voilà, pour les poches, ne t'inquiète pas, hein, si tu as des aiguilles double pointe, tu peux tout à fait les utiliser, étant donné que tu vas travailler en aller-retour et que tu travailles sur très très peu de mailles. Fifi qui dit, le petit liseré, je me le fais maintenant, finger in the nose. Ben oui. Ok, allez, je vous parle maintenant de comment on va coudre la poche. J'ai eu beaucoup de plaisir vraiment hier soir. Ça a été une de mes lectures du soir à regarder le tutoriel de Coconit. Vraiment intelligent, vraiment vraiment très très intelligent. La première chose par contre, ce qu'elle n'a pas dit mais moi je le fais, c'est que je repasse toujours ma poche. Je la repasse avec la technique de la pâte molle. Alors, apparemment, la pâte mouille, ça appartient à une certaine génération. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je vous pose la question avant de vous donner, avant de donner la langue au chat. Est-ce que vous savez ce que c'est que repasser à la pâte mouille? Moi, c'est mon arrière-grand-mère qui m'avait expliqué la pâte mouille. On tricote les poches à part. Oui, tout à fait. Les poches sont tricotées à part. Tout à fait. Les poches, hein, Kat, c'est vraiment, voilà, ça c'est ta poche. Et tu vas simplement ensuite venir la coudre à l'intérieur. Oui, Daniel, c'est ça. Repasser à la pâte mouille, c'est mouiller un linge et passer le fer à repasser. C'est exactement ça. Le lien Coconit ne fonctionne pas. Non, ces liens ne sont pas très bons dans son patron. J'ai été sur le site de Coconit et je l'ai trouvé dans ses tutos, tout simplement. Alors, c'est très bien. Je vois qu'il y a plein de monde qui savent ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que repasser à la pâte mouille, eh bien, c'est parfait pour des tissus très délicats comme nos tricots. Alors, ce que vous allez faire,
c'est que vous allez mettre votre poche comme ça. Vous mettez un linge pour pouvoir protéger le tricot. Donc, vous mettez un linge propre par-dessus comme un torchon. Et puis, vous allez pchiter de l'eau dessus et vous repassez doucement à la vapeur sur la qualité laine, d'accord, de votre fer à repasser. Et ça va permettre à votre tricot de s'aplatir. Vous voyez, ça le met bien plat. Et ça, c'est vraiment super pour pouvoir venir coudre. Sinon, c'est vrai que ça va complètement rouler sur les côtés, puisque c'est du jersey. Mais quand on repasse à la pâte mouille, eh bien, ça écrase un peu notre tricot. Et ça le prépare parfaitement à être cousu. Et je l'ai fait un petit peu, vous voyez, sur cette partie-là aussi, je l'ai repassé à la pâte mouille pour pouvoir coudre ça tranquillement. Ensuite, à partir de là, elle nous dit, vous allez prendre une aiguille à laine et puis vous allez prendre une couleur contrastante. Alors, hop. Lynn qui dit, moi aussi, c'est ma grand-mère qui faisait ça. C'est Lynn qui dit, je le fais encore pour protéger le tissu. Nanou, elle utilise un mouchoir imbibé d'eau. Ah non, c'est vrai que c'est une ancienne... en tout cas, moi, c'est mon arrière-grand-mère, Mamie Fernande, ma chère Mamie Fernande, qui m'avait enseigné, hein, si vous vous rappelez, c'est elle qui m'a enseigné les boutonnières brodées et elle m'a aussi enseigné comment on repassait à la pâte mouille. Donc, ce qu'on va faire, première chose, c'est que vous mesurez la poche. Ok, donc votre poche, elle mesure 8 cm. Bon, peut-être pas, hein. Moi c'est juste parce que dans ma démo, elle mesure 8 cm. Elle peut mesurer autre chose, d'accord? Et donc, vous savez que de chaque côté de l'ouverture, vous devez avoir 8 cm. Donc, vous pouvez mettre un petit repère comme ça, à droite et à gauche. Et vous allez installer ce qu'on appelle un fil de batis. Alors un fil de batis, c'est un fil qu'on va utiliser dans une couleur contrastante. Voilà. Qu'on va utiliser dans une couleur contrastante et qui va être là pour être enlevé après. Mais c'est un petit peu notre guide, c'est un peu notre sherpa. Vous avez le choix de le placer soit dans ce qu'on appelle les sourires ou les froncements de sourcils. Alors ça, c'est dans Coconuts que j'ai vu cette analogie. J'ai trouvé ça très sympa. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par sourire ou froncement de sourcils? Alors l'émail, vous voyez, vous avez deux formes que vous voyez sur l'envers du jersey. Ça, c'est le sourire. Vous voyez le U qui se fait dans ce sens-là. Voilà, ça, c'est la maille qui sourit. Alors, regardez, imaginez deux yeux, là, tic-tic, et là, hop, ça sourit. Vous voyez le sourire? Voilà. Et puis, vous avez, au contraire, le froncement de sourcils. Alors, le froncement de sourcils, vous voyez, il part dans ce sens-là. Donc, imaginez que là, c'est deux sourcils qui se froncent. Donc, vous allez devoir choisir, quand vous allez passer votre fil pour le bâti, vous allez soit l'installer dans un sourire, soit dans un froncement de sourcils, d'accord? Bon, moi j'ai trouvé que c'était plus simple sur les côtés de le prendre dans les sourires. Et on va passer le bâti un sourire sur deux. Donc regardez, ça ferait ici, j'en prends un. Et comme ça, je vais pouvoir bien suivre ma ligne, d'accord? Donc, une, deux, trois. 4. Ok, donc je vais comme ça jusqu'au bout de mes 8 cm. Et vous allez vous retrouver, vous voyez. Hop, allez, fais-moi un petit focus. Voilà, vous allez vous retrouver avec une belle ligne droite où ça a fait popper des petites mailles de cette manière-là, d'accord? Donc ça, on les a pris 1 sur 2. Et vous faites ça sur les 8 cm de la poche et ça va être votre ligne de couture. Au moins, vous savez que vous n'êtes pas en train de coudre en venant vous déplacer. Ça vous donne une ligne bien droite. Ensuite, vous allez essayer au maximum d'utiliser les bouts de fil de votre poche. Donc, ça veut dire quand vous allez remonter votre maille, soyez généreux, laissez beaucoup de fil au tout début pour pouvoir l'utiliser comme fil de couture. Et après ça, vous allez coudre
le brin, un brin sur deux. Donc je prends le brin qui est ici et je vais le passer dans la maille que j'ai fait popper. Voilà. J'en saute un, donc je vais faire un sur deux. Je vais aller dans le deuxième brin et je vais le mettre avec le deuxième. Je vais essayer de ne pas prendre mon fil de bâti. Donc, je saute celui-là, je vais sur le prochain et je le passe. Je saute, je prends celui-là et je le passe. Donc, je fais, voyez, une petite couture toute simple en diagonale. C'est pas très compliqué mon histoire. Hop. C'est vraiment pas très complexe. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était une finition géniale. Bravo Coconit, super, super. Allez, je vais prendre le dernier ici, je vais le mettre là. Vraiment, super petite technique pour être sûr que ma poche est bien cousue. Regardez comme c'est droit, comme c'est bien fait. C'est pas génial ça, franchement? Franchement, c'est très génial. Donc, je vais faire la même chose ici. Je vais installer aussi un fil de bâti. Donc, hop, je vais l'enlever, celui que j'ai déjà fait. Puis, je vais le refaire pour vous. Mais regardez, c'est un super boulot. Hein. Franchement, c'est droit. C'est super simple. C'est juste... Puis, évidemment, quand vous avez terminé, hop, j'enlève le fil de bâti. Aussi simple que ça. Donc, par rapport... Hop là. Par rapport à la partie du fond... D'accord, du fond de votre poche, c'est pareil. Hein, vous regardez bien, vous pouvez mettre des tippins à quelle hauteur ça doit apparaître. Okay. Et après ça, moi, j'ai été prendre... Là, on est dans l'horizontale, donc j'ai été simplement prendre chaque maille. Là, c'est pas une maille sur deux. Donc, regardez, chaque maille. Donc, j'ai installé mon fil de bâti dans chaque maille. En suivant bien mon rang. Donc c'est pareil, regardez, je vais dans les sourires, je vais pas dans le haut. Je suis restée dans mes sourires, ok? Là on peut bien le voir, hein? Froncement de sourcils, sourire. Moi je prends les sourires, vous devez faire un choix. Vous souriez ou vous froncez les sourcils, mais vous faites pas les deux en même temps, c'est mêlant. Ok, donc hop, je vais jusqu'au bout. Ouais, c'est une super technique. Franchement, je vous avoue que je l'ai appris hier soir. J'avais fait ça un petit peu, j'avais un peu fait ça tranquillou, sans trop me poser des questions pour mes propres poches. Mais si j'avais su, je l'aurais définitivement fait de cette manière-là, parce que le rendu est super. Super clean, mais alors super clean, je veux dire, ça peut pas être plus propre que ça. Donc, voilà, j'ai mis mes mailles en exergue, je prends la maille là et je viens la coller avec la maille en dessous. Donc, je relève la petite maille et je viens prendre la maille suivante. Je prends ma petite maille qui est là, viens là toi. Et je prends la maille suivante. Ok. Bon, si vous attrapez un morceau de fil de bâti, essayez de pas. Mais c'est pas grave. Vous pourrez le découdre, le couper un petit peu. Bon, c'est pas dramatique. D'accord. Au pire, il y en aura un morceau qui restera. C'est pas grave non plus. On s'entend-tu que c'est à l'intérieur de votre tricot, c'est pas à l'extérieur. Ça ne se voit pas. Sinon... On bidouille un peu avec une aiguille, un ciseau et ça va. Bref, voilà, on continue, on fait toute la couture jusqu'au bout. Puis vous enlevez votre fil de bâti. Vous voyez, quand... Voilà, et puis vous enlevez votre fil de bâti après. Mais ça va vous donner une poche, c'est bien solide. Hop, fais-moi un petit... Voilà,
Bon, c'est bien solide, franchement. Regardez ça. Voilà, je vais mettre du côté où c'est cousu. Voilà. C'est vraiment impeccable, donc super technique de coconuts. Franchement, moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça que c'était vraiment très très intelligent. Ce petit fil de bâti avec cette histoire de petit sourire ou de petits sourcils froncés, bien installer la ligne et puis ensuite vraiment juste venir coudre en venant prendre un rang sur deux sur le côté avec la petite maille qui pop grâce au fil de bâti. Vraiment génial. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour la pâte mouille, il vaut mieux utiliser un linge en coton. Définitivement, vous voulez utiliser un linge en coton, surtout pas de linge qui soit en acrylique ou quoi que ce soit. Vous voulez pas en fait que la chaleur du fer fasse fondre le plastique. Mais bon, ça. Donc ça vous plaît comme technique? Franchement, je trouve ça vraiment top. Vraiment, vraiment top. Si j'avais su, j'aurais fait. Bon, c'est pas si pire mes poches. Pas si pire, mais c'est vrai que c'est une super technique. Je suis vraiment contente de l'avoir découverte. Est-ce que le bas de la poche se rend à la bordure? Non, je vais te montrer ça, regarde. Donc là, c'est les poches. Attends, on va le regarder sur l'arrière. Non, tu vois, la bordure est ici. Donc, le bas de la poche, il s'arrête un peu avant la bordure. D'accord? Évidemment, si tu as fait un petit peu plus court, ça se pourrait qu'elle arrive dans la bordure, mais ça ne devrait pas être. D'accord? Non, non, c'est un super travail soigné pour la couture. Vraiment, j'adore, j'adore. Et le bord des côtes, on fait comment? Oh, tu viens juste coudre. D'accord, c'est une bonne chose. Pour le bord des côtes, tu vas venir... pour le bord des côtes, moi, je ferai simplement un mattress stitch. Alors, hop, j'avais complètement oublié cette histoire de bord des côtes. Bien sûr, merci beaucoup. Alors, comment est-ce que je viendrai coudre un bord de côte? Attends, je vais juste chercher un morceau de tricot que je peux coudre. Voilà. Hop, merci Lynn. Est-ce qu'on peut se rendre aux côtes? Oui, mais je te déconseille d'être ensuite dans les côtes pour tes coutures. Si ça arrive dans les côtes pour tes coutures, tu vas trouver ça un petit peu embêtant, d'accord? Alors, pour le bord des côtes, je vous montre ça. Donc, vous êtes... là, moi, ce que je vais faire, je vais simplement vous montrer comment est-ce que je vais coudre deux parties. Donc, il faut imaginer... Voilà. On va imaginer, tiens, on va pouvoir mieux imaginer encore, voilà, on va imaginer que c'est ma bordure et ce que je veux, voilà, on va imaginer que c'est ma bordure ici, puis que ce que je veux, c'est coudre cette partie-là avec ça. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle le mattress stitch, c'est vraiment très simple. On le fait sur l'endroit de notre travail, vous vous rendez une maille plus loin, c'est-à-dire que vous allez vous rendre entre les deux mailles. Vous allez vous rendre ici, entre les deux mailles. Donc, vous prenez, voyez, c'est les fils intercalaires. Donc, vous en prenez un. C'est un pour un. Voilà, je suis là. Donc, j'ai pris un fil intercalaire à droite, un fil intercalaire à gauche. Et je continue. Donc, je me mets entre les deux mailles ici. Je viens prendre le fil intercalaire. Là, vous avez du point mousse. Mais c'est la même chose que ça soit de la côte ou pas. Ce qu'on veut, c'est le fil intercalaire. Puis vous allez ici, entre les deux mailles, vous prenez le fil intercalaire. Et vous avez vu, je n'ai pas encore resserré, d'accord? Vous allez voir, c'est comme un petit corset de... C'est comme un petit corset dans les années 900 en Angleterre. On va resserrer ça après. On va faire 1 à 2 cm avant de resserrer.
Donc vous voyez, j'installe les lacets de mon corset. Je fais comme ça 1 à 2 cm. Hop. Voilà. Donc quand c'est fait, quand j'ai fait 1 à 2 cm, regardez, on va demander à notre jeune fille anglaise de retenir son souffle. Et on tire. Voilà. Puis vous faites comme ça jusqu'en haut des côtes. Vous rentrez vos fils et vous faites la même chose sur la deuxième partie. Il faut s'arrêter combien de centimètres avant le bord côte? On te demande de faire 8 cm pour la poche. Du coup, je fais le fond de poche plus côte ou que les côtes? Attendez, je comprends pas tout là. Alors, je voulais utiliser ma laine contrastante. Donc, tu peux tout à fait, Camille, utiliser ta laine contrastante pour l'intérieur de ta poche, d'accord? Donc, le moment où tu reprends tes mailles en attente et que tu tricotes tes mailles, à l'intérieur, ça sera contrastant. Ici, c'est les mailles qui sont relevées et qui vont être en côte. Tu peux les faire aussi en couleur contrastante si tu veux. Du coup, je fais fond de poche et côte ou que les côtes. Ben ça, c'est toi qui vois, Camille. Tu peux tout à fait décider de faire le fond de poche et les côtes dans la couleur contrastante. Je pense que ça sera plus intéressant. Il faut s'arrêter combien de centimètres avant le bord côte? Je ne sais pas. Olga, je ne sais pas. Tout ce qui est le plus important à comprendre, c'est que t'as la partie ici fait 8 cm. D'accord? Ce qu'on te demande... c'est tu reprends les mailles en attente et tu fais 8 cm en jersey. Voilà, comme ça tu es sûr que tu n'arrives pas dans tes côtes. Sinon, si tu as fait plus court et tout, arrête-toi au moins 2 cm avant les côtes, ok? Je ne visualise pas le bord côte des poches. Attends, je vais te le montrer. Donc on est ici. Donc le bord côte... c'est cette partie-là, d'accord? Donc, ça correspond... je vais juste défaire mon histoire ici. Ça tient très très bien ces petites... ça tient très bien ces petits macro stitch, voilà. Donc, regarde. Le bord côte des poches. Donc là, ça c'est les mailles qui étaient en attente. Et j'ai tricoté le fond de poche, d'accord? Qui est ici. Ça, c'est les mailles que l'on avait montées. Donc, on avait monté des mailles. Quand on avait mis celle-là en attente, on avait monté des mailles pour pouvoir continuer notre tricot. Sur les 25 mailles, c'est là que l'on en remonte 27, qu'on fait le petit liseré comme ça, et ensuite qu'on tricote en côte. Donc, ça va monter plus haut. Tu vois, cette partie-là va monter plus haut et que tu vas faire tes coutures à droite et à gauche. Donc, à droite et à gauche de ta poche. Voilà. Et là, t'as ta petite poche à l'intérieur. Olga, est-ce que Samantha, est-ce que c'est un petit peu plus clair cette histoire de poche? J'aime bien les châles en dentelle. Je trouve que on peut tout à fait les porter de manière extrêmement contemporaine. Vous ne trouvez pas? Je trouve que on peut les porter, ça peut être vraiment très contemporain. Alors, merci, c'est ok, c'est bien visualisé. Okay, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ces fameuses poches? Pendant que vous tapez juste, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Donc, je vous avais dit sur le week-end où a lieu le festival de Knit City à Montréal, qui est le 2 et 3 avril, eh bien, on est tous en mission Knit City. Les deux boutiques restent ouvertes avec un peu moins d'employés, mais sinon, nous, on est à Knit City avec un kiosque, vous allez voir, on a encore fait un kiosque de fou. Notre Jules National nous a préparé vraiment quelque chose de magnifique. Je lui avais dit,
Jules, tu comprends, je voudrais quelque chose qui fasse caverne d'Ali Baba, mais en même temps quelque chose qui fasse ancienne mercerie. Et vous savez quoi, il a réussi ce pari-là, ça va être complètement fou. Donc, nous, on va être à Need City. Donc, on n'est pas là le 2 et 3 avril. La semaine prochaine, on est le 27. Ce que je vais faire, on va se voir le 27. On va faire un petit overview sur le Amarelle. Poser vos questions aussi. Je vais, si j'arrive techniquement, refaire ça. On va se partager tous nos albini, que vous voyez un peu tout ce qui a été fait. Donc, c'est ça. Donc, je vais parler du Amarelle, je vais parler du albini. Donc, ça sera notre conclusion, notre point final pour notre premier cardigan de l'année. Voilà. Est-ce qu'on pourrait fixer le bord de la poche en le tricotant? Ça va être compliqué, Anne, je te le conseille pas. Suggères-tu de rentrer les fils avant ou après le blocage? Personnellement, toujours après. Camille, j'en sais pas pour vous, mais j'en peux plus des manches. Ah, les manches, je suis de tout cœur avec toi. Pour arriver à terminer des manches, faut que je trouve genre la série qui va me rendre complètement accro et je vais pouvoir me déculpabiliser à passer autant d'heures devant l'écran en tricotant des manches. Voilà. On dirait que le bord-côte de ta poche est plus serré que le reste de ta veste. Oui, c'est parce que j'ai cousu ça un peu trop croche. Micheline, ce n'est pas parce que ça doit être comme ça, c'est parce que j'ai fait ça un peu trop rapidement. Comment est-ce qu'on bloque? Alors, pour bloquer le albini, on va être très gentil avec lui. Vous rappelez un tricot quand vous allez le bloquer. C'est un invité d'honneur que vous invitez dans votre spa personnel. Donc, on lui prépare un petit bain d'eau tiède avec une petite solution lavante pour la laine, si possible de l'eucalan ou du soap, n'importe quoi qui a un petit composé réhydratant pour Mademoiselle la Fibre. Vous allez le faire tremper une vingtaine de minutes. Après ça, vous enlevez l'eau tranquillement et doucement. Vous lui faites un petit massage suédois. Donc, doucement, vous le tapotez pour lui enlever l'excédent d'eau. Quand il a terminé ça, on passe au massage californien. Donc, vous allez prendre une serviette de toilette et vous faites le rouleau californien. Donc, dans la serviette de toilette, je roule. Et là, vous lui marchez dessus avec vos pieds pour éponger le maximum de l'eau. S'il est encore trop humide, il en demande une autre fois. Donc, vous prenez une autre serviette sèche et vous roulez le albini dedans. Et vous lui remassez encore une fois en marchant dessus. Puis après ça, vous allez simplement l'étendre à plat sans l'étirer, s'il vous plaît. Ce n'est pas... Voilà, le albini, on est très, très gentil avec lui. On n'a pas à l'étirer. Donc, vous ne l'écartillez pas. D'accord? Simplement, vous allez faire attention que tout soit bien droit. Vous pouvez utiliser des peignes de blocage pour ça. Vous pouvez vraiment le bloquer dans sa forme. D'accord? Vous pouvez le refermer comme ça sur lui-même. Pas besoin de fermer les boutons. Okay? Avec les manches qui vont être, légèrement séparées du corps. Mais on ne tire pas. D'accord? Voilà. Ensuite, merci pour les beaux compliments. Merci beaucoup. Le 3 avril, je peux passer chercher ma laine de bas après Knit City. On n'emmène pas les laines à bas à Knit City. Je t'avoue, André, que ça va être une logistique qui est déjà compliquée. Donc, André, il vaut mieux aller la chercher à Angus. Tu peux aller la chercher. Les boutiques seront ouvertes. D'accord? Faut-il avoir préparé notre échantillon du Amarelle pour la semaine prochaine? Non, ne t'inquiète pas. Oh, Kat, merci pour l'albini. C'est la première fois que tu fais un projet de cette envergure. Et ce n'est que le premier de cette année. J'espère, Kat, que tu vas pouvoir tout faire. Merci, Colette. Je comprends, Angèle. Tu vois, Camille, Angèle, elle a refait plusieurs fois ses manches, hein. Peux-tu parler du rentrage des fils, s'il te plaît? Est-ce qu'on met les boutons avant de bloquer? Personnellement, je fais toutes ces finitions-là après avoir bloqué, d'accord? On place les peignes où? Moi, je les place sur les côtés. Donc, je couds toujours les boutons avant ou après le blocage.
Voilà, toujours après le blocage, pour être sûr, si tu veux, ça a dû prendre un peu d'expansion, tout est beau, ok? Peux-tu parler du rentrage de fil? Mais oui, bien sûr, le rentrage de fil, on va le faire toujours sur l'intérieur de notre tricot. Attends. Donc là, je suis sur un petit projet personnel. Ok, donc, hop, attends, je cherche juste des fils à rentrer qui soient assez longs. Donc, comment est-ce que je rentre les fils à la base? Je vais rentrer toujours mes fils à l'intérieur. Attends. Est-ce que celui-là a plus de fils à rentrer de manière plus obvious? Non. Ça ne va pas m'aider. Hop. Non. Bon, attends, on va essayer avec celui-ci. Comment est-ce que je rentre les fils? À la base, je vais essayer de rentrer toujours mes fils le plus possible en diagonale. Attends. Je vais prendre ce fil-là. Et à l'intérieur, évidemment. Donc, hop. Là, je vais juste rentrer un petit peu plus dans le tricot pour pouvoir te montrer ça. Ok. Donc, comment est-ce que je ferai pour rentrer mes fils ici? Donc, au niveau des mailles... Tu vois, on parlait des... je suis désolée, c'est un petit peu brouillardeux comme laine, mais tu peux vraiment juste rentrer en diagonale. Donc regarde, je passe sous mon tricot. Je vais passer sous mon tricot et je vais tracer une diagonale comme ça sur quelques centimètres. Donc encore une fois, tu vois, tu as allé cette histoire de sourire et de froncement. Donc moi, je vais dans les U, dans les petits sourires. Voilà, donc tu prends ta diagonale, tu fais ça sur 4 à 5 centimètres. Puis quand c'est fini, moi ce que j'aime, c'est que je refais un petit trajet arrière sur 2-3 centimètres. Toujours en diagonale. Voilà. Donc là, tu vas bien le voir avec mon fil contrastant. Donc tu vois, c'est ça. Je suis partie en diagonale en passant sous mes petits sourires et je reviens sur 2-3 cm. Donc c'est aussi simple que ça. Sur les bordures, je vais camoufler dans les... J'aime bien camoufler dans les bordures. Tu vois, par exemple... Avec plaisir, Nathalie. Pourquoi est-ce que j'entre mes fils après le blocage? Parce que souvent, quand mon tricot va s'étirer un peu avec le blocage, si j'ai rentré mes fils, ils risquent de ressortir un petit peu. Je dois ensuite être là avec mon ciseau comme si j'étais en train de tondre une pelouse, tu sais. Genre... Donc, ça m'agace. Donc, je préfère le faire après. Les fils, la maille se sera placée. Je suis sûre que ça ne va pas ressortir. C'est ça. Donc, tu vois, pour tous les fils... qui sont sur des bordures comme ça, je vais les rentrer, je vais les camoufler dans les mailles remontées. Ça, c'est des bons endroits pour camoufler, parce qu'il y a un peu de volume. Donc ça, c'est des bons endroits pour venir camoufler les fils. Donc c'est ça. Oh, merci Rosemary. Angèle a dit, je rentre mes fils avant et je coupe les fils après. Voilà, c'est un excellent compromis tout ça. Ok. Si c'est bon pour vous, les amis, je vais vous laisser. Aujourd'hui, je vais aller à Angus. Et puis, qu'est-ce qui reste à vous souhaiter? Ben, j'espère que vous allez avoir une belle semaine. J'espère que vous êtes en train de profiter de votre congé pour avoir ce fameux glow toute la semaine. Et puis c'est ça. Allez, gros merci à vous aussi. Et puis je vous souhaite un excellent dimanche.